parle. J'ai 27 ans lorsque la Première Guerre mondiale éclate. Mobilisé le 2 août, je suis blessé à 2 reprises. Et parce que j'ai une conduite exemplaire, on me décore de la croix de guerre. Avec citation, je suis récompensé pour avoir bien fait la guerre. Ce n'est qu'en mars 1919 que je suis démobilisé, que je peux enfin rentrer chez moi, dans ma chère montagne bourbonnaise. Je retrouve alors mes deux petites femmes. Celle qui est mon épouse chérie depuis 1913, Marie-Louise, institutrice comme moi, que j'ai rencontrée à l'école de la Prune. Et puis, ma charmante petite fille de 5 ans, Anne-Marie, que je connais à peine. Saloperie de guerre. Pff, tout ça pour ça. Pour voir aujourd'hui la France vaincue et envahie à la botte de l'Allemagne et de ce fou d'Hitler. Et ces petits là, quel avenir pour la jeunesse. Du, meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Monsieur Fernand, il faudrait peut-être faire sonner la cloche et les faire entrer. Oui, peut-être. Eh bien, vous êtes bien sombre, abattu même, je me trompe? Parce que vous ne l'êtes pas, vous. La guerre, la défaite, l'exode, l'occupation, ça ne vous marque pas? C'est vrai que faire la classe est devenu compliqué, que le quotidien est épuisant, voire lourd. Mais regardez le côté positif. Depuis octobre, on a pu à nouveau organiser une rentrée. Et puis, avec vos 54 ans, vous n'avez pas à vous battre. Aujourd'hui, vous seriez prisonnier, Dieu sait où. Je vous avoue, que peut-on y faire? L'important, c'est de reconstruire le pays. Le maréchal va nous y aider. L'important, c'est que la guerre soit terminée. Par la défaite. La guerre s'est terminée par la défaite de notre pays. Nous sommes vaincus. C'est insupportable. Pétain a trahi. Il a négocié avec l'Allemagne. Il s'est octroyé les pleins pouvoirs pour instaurer le culte de sa personne, la dictature et accuser la République de tous les maux. Ça va finir par s'étasser tout ça, M. Fernand, vous verrez. Ayez confiance. Pétain a sauvé une première fois la France à Verdun. Il le fera encore une fois. Il sait ce qu'il fait, il va mettre Hitler dans sa poche. Et ce nouveau régime qui veut mettre l'école au pas? Mais non, vous êtes un pessimiste. Le maréchal est un grand homme. Il va améliorer notre chère école en lui insufflant de saines valeurs, des valeurs traditionnelles de chez nous. Croyez-moi, il y en avait besoin, car ça en est arrivé là, hein. Allez, on se comprend, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Si la France a perdu la guerre, c'est parce que j'ose apprendre à ma fille le ski et le piano. Pète un coup, vieille top. Que dites-vous, monsieur Fernand? Ah, rien, rien. Je me disais peut-être bien que vous aviez raison. Ah, pour sûr. Bon, je file prendre mes élèves. Sinon, vous allez me gronder, dire à l'inspecteur que j'ai le port, là. Non. Bonjour, maître. Bonjour, maître. Bonjour, maître. Bonjour. Bonjour, maître. Bonjour, maître. Bonjour, maître. Il manque du monde ce matin. Où est donc Paulette? Ah oui, Lucien. Paulette viendra pas, tout comme Marius. Ils aident leurs parents à ramasser du bois dans la forêt pour avoir chaud le soir. Ils avaient déjà brièvement participé à la récolte des marrons d'Inde, mais tu leur diras que ça serait bien qu'ils arrêtent de louper l'école. Ah oui, à ce sujet les enfants, faudra que je vous parle de nouvelles corvées collectives, comme le ramassage de vieux papiers et de métaux. Ils vous seront donnés pour pallier à tous nos problèmes dus à la guerre. Mais elle est finie la guerre! Oui, peut-être, mais nous manquons toujours de beaucoup de choses. Allez, prenez vos cahiers. J'en ai pas, mais... Prenez-en, on a sur la table. Et par pitié, arrêtez de gaspiller. Vous savez bien comment les temps sont difficiles, que nous devons nous montrer économes. Et arrêtez de mâchouiller cette plume, là. De même pour l'encre, là. Arrêtez de la gaspiller. Maître? Oui, Armande? Le père François, il va pas la refaire, la classe? Les murs sont tout noircis par la fumée du poêle. Sans peinture, ça va me paraître compliqué. Nous organiserons un atelier décoration pour rendre la salle plus gaie. Les dessins cacheront la misère, pénurie et restrictions obligent. Maître? Oui, Marcel? Mon père, il dit qu'il faut organiser un concours de dessin pour la fête de Noël, pour montrer au maréchal qu'on l'aime beaucoup et à la France aussi.
Le mien dit que c'est des conneries tout ça. Et que Pétain fait ami-ami avec les boches, hein, monsieur? Vous n'aimez pas les dessins du maréchal, maître? Mon père, il dit que vous avez toujours pas mis au mur de la classe le portrait du maréchal Pétain. Et qu'il va aller dire au maire que vous êtes pas un bon français, que vous êtes un socialiste. Ah, il dit ça, mon père. Eh bien, il en dit des choses, ton père. Tu lui diras que je peux pas le coller au mur, le maréchal, parce qu'il y a pénurie de clous. Je peux pas l'afficher. Voilà, au fait, j'ai une circulaire du ministre à vous lire. Bon. Loi du 7 août 1940 portant création au commissariat général éducation physique au sport, JO du 8 août 1940, ministre de la famille et de la jeunesse, maréchal de France, sport, bon. Chef docteur français. Voilà. Conseil des ministres entendu, décret de ton, gna gna gna, monsieur Jean Boretin, nommé ministre, commissaire général, ministre, ça. Ça, on s'en moque. Allez. Vous avez oublié de lire l'article 1, maître. Vous êtes passé au du directement. Et puis, j'ai rien compris, maître. Je comprends rien. Vous avez pas lu comme d'habitude. Alors que vous dites qu'il faut toujours faire des silences, respecter la ponctuation. Et puis là, vous avez fait des grimaces. Ah, j'ai fait ça, moi. Oh. Vous avez même dit, on s'en moque. Moi, j'ai dit ça. Oh. T'as du mal à entendre. Allez, sortez vos livres. Aujourd'hui, on va étudier les divers radicaux. Et plus spécialement, le radical amont. Et qu'on se le dit, le contraire de amont, c'est aval. L'amont, c'est ce qui est très haut. L'amont. Et le contraire, c'est l'aval. C'est ce qui est très bas. C'est répugnant. Mon père aussi, il fait du radical quand il parle. Il le dit, ça, que l'aval est nul. Non, je parlais juste de l'aval, la descente, pas de notre cher vice-président du conseil. Maître, maître. Oui. On chante pas la chanson du maréchal? Oh, pète un coup, toi, je chante pas ça, moi. Les enfants, s'il vous plaît, pas de confrontation ici. Et en plus, on a déjà chanté en transpatin. Bah non, vous avez oublié. Levez-vous. Maréchal, nous voilà. Général, nous voilà. Pas général, c'est maréchal. Ouf, ce n'est pas le gong, petit vénard. Allez, sortez-nous. Ouais, ouais. Mais on n'a pas chanté. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour monsieur le recteur, que me vaut le plaisir de votre venue. Monsieur l'inspecteur, bonjour. Un très important, votre école Carnot ainsi que l'école Jules Ferry a le privilège, la chance d'avoir été choisi par le commissariat général aux questions juives ce 2 juin 1941 pour recenser les juifs résidant dans la zone non occupée, pour être expulsé de notre bonne ville de Vichy. Pour chasser, expulser, mais pour où? Monsieur l'inspecteur, c'est une école ici. Un lieu où l'on éduque, où l'on instruit. Pas un lieu où l'on parque des gens comme des animaux. La discrimination, la peur et la violence n'ont absolument rien à faire ici. Monsieur le recteur, ici, on éduque et on instruit. Chaque enfant doit pouvoir y avoir sa chance. Et s'élever selon son mérite. L'égalité des chances? N'importe quoi. Ne me dites pas que vos croyances sont sottises. Aucune idée n'est plus fausse que celle-ci. La patrie est un corps dont chaque Français est un organe. Et cela commence à l'école. Le lycée est redevenu payant pour les enfants de bourgeois, les ouvriers qui iront dans des centres d'apprentissage. J'ai bien appris ma leçon, monsieur l'inspecteur. L'école doit élever les âmes. Justement, la faille. La Révolution nationale, c'est la nouvelle France, la vraie. Celle des valeurs, celle du redressement. Celle de l'homme nouveau, celle d'une conscience neuve pour notre jeunesse. Il faut que l'école s'emploie à former une jeunesse résolue, virile, et bien préparée à l'accomplissement de son devoir militaire. Vous savez, je m'inquiète pour vous, Lafaille. Des bruits courts. Des bruits? Comme quoi vous serez franc-maçon. Vous appartiendrez à la loge, la cosmopolite. Vous savez ce que cela signifie si cela s'avère vrai? La franc-maçonnerie est la principale responsable de nos malheurs actuels. C'est elle qui a appris aux Français le mensonge. Et c'est le mensonge qui nous a menés où nous sommes. Vous êtes dans le collimateur, Lafaille. Vous risquez la radiation. De bons Français nous ont écrit. Vous seriez un agitateur, un pacifiste qui pervertit notre jeunesse. Vous êtes surveillé, vous savez. Baliverne. Vous n'inculquez pas l'admiration de notre nouveau chef de l'État, le maréchal Pétain, à qui nous devons tout. Vous m'entendez? Tout!
Le maréchal a fait don de sa personne pour protéger la France. J'ai prêté serment au nouveau régime. Pensez-vous que nous soyons dupes, Lafaille ? Je suis un maître d'école qui instruit ses élèves, qui apporte son savoir, qui éduque les citoyens de la France de demain en leur apportant sa conscience d'homme libre, sa foi en le destin d'une humanité meilleure. Pour Pétain, l'école est le cœur de la Révolution nationale. Au-delà des écoliers, c'est la famille qui est visée. Il s'agit d'apprendre le sens de l'effort et la collectivité, oubliés sous la Troisième République. Ce sont des idéalistes comme vous qui ont plongé la France dans le gouffre. Regardez où vos idées socialistes et marxistes nous ont menés. À l'anarchie. Vous êtes un républicain convaincu, Lafaille. Un admirateur de l'intellectualisme. Un ingrat qui a mis dans la tête de la jeunesse de France relâchée des valeurs permissives, libérales, laïques et égalitaires. En contradiction avec les valeurs traditionnelles qui sont les nôtres, le travail, la famille, la patrie. L'école a failli dans sa mission de formation. Vous n'avez pas su inculquer le devoir et l'amour de la patrie à vos élèves. Il faut tout changer, refaire des Français. Et c'est à l'école que le redressement national doit commencer. D'où les purges que vous opérez parmi mes collègues réfractaires et ou de gauche, francs-maçons, juifs. Nous avons besoin d'hommes et de femmes régénérés qui croient en la Révolution nationale. Des vrais patriotes, rassemblés autour des idées de la nation, du travail, de la famille et de la patrie. Oubliez l'école de Jules Ferry. Tenez, le portrait du maréchal n'est toujours pas au mur. Et je suis certain que si je fouille, je trouverai encore certains symboles de cette Troisième République qui vous est chère, comme le buste de cette Marianne. Et vos élèves connaissent-ils la chanson dédiée à la gloire du maréchal ? Ne dites rien, j'ai la réponse. Lafaille, mettez-vous bien ça en tête. Le redressement moral et intellectuel du pays passe par l'enseignement de la nouvelle idéologie. L'homme nouveau, doté du goût du sacrifice et de l'effort, dépourvu d'individualisme, d'appétit matériel et de faiblesse, naîtra de la Révolution nationale, qui rendra la fierté à tous. L'école est le lieu privilégié dans la mise en œuvre de ce que veut le maréchal. La jeunesse est essentielle dans le plan de redressement du pays. Nous devons la contrôler et la façonner. Le portrait de Pétain doit être affiché dans votre classe. Vos élèves doivent avoir entre leurs mains le matériel scolaire à l'effigie du chef de l'État. Les protège-cahiers, les bons points. Et aussi, ils doivent lui faire parvenir des lettres et des dessins. Des dessins à la place de faire des exercices de maths sur les baignoires qui fuient. Bien, montrez-moi ce que savent vos élèves. Et j'espère ne pas trouver dans votre bibliothèque les ouvrages interdits. Comme Brosselette ou Lavis. Et j'espère pour vous ne pas retrouver votre mollesse chez les élèves dans l'application des programmes. Bien, je vois que vous avez dégagé 4 heures pour les enseignements nouveaux, tels que les activités sportives de plein air. Il faut en effet viriliser la jeunesse, lui rendre santé, courage et discipline. Un corps sain dans un esprit sain. Je vois également que les travaux manuels occupe une large place. Une bonne chose, cela renforcera les séparations des sexes et des fonctions. Aux femmes, la couture, la tenue du foyer. Et aux hommes, la bêche. À chacun sa place dans la nouvelle société régénérée. T'es un petit, amène-moi ton cahier. Le travail est bien mis en valeur avec le savetier. Et le financier avec la fontaine. La famille, elle aussi, avec Pasteur et son hommage filial. Quant au retour du pays natal de Lamartine, il exalte joliment la patrie par parfait. Les récitations sont bien choisies. Elles racontent nos valeurs. Je vois aussi que la géographie, à travers les exemples locaux et régionaux étudiés, glorifie enfin notre beau pays, ses coutumes, son agriculture et la richesse de sa terre. Avec comme figure de proue, notre bon maréchal, qui rassemble tous nos petits pays derrière lui et son autorité, tel Clovis en son temps. Seriez-vous devenu un bon serviteur de l'État, Lafaille ? Je respecte la propagande. Petite, parle-moi du travail et de la morale qui en découle. Il faut aimer son travail, car elle sera mieux fait et nous rendra heureux. Excellent. Dites-moi, Lafaille, vous semblez porter bien plus d'attention à vos tickets de cantine qu'à ce que nous dit cette demoiselle. Non, c'est que on apprend mieux le ventre plein, monsieur. Vous vous fichez, vous pratiquez l'humour, Lafaille. Attention. Et toi, montre-moi ton manuel d'histoire. Ah, il fallait s'en douter. Un manuel républicain valorisant les idées subversives de la Révolution française. Et des pages défavorables à l'Allemagne. Toujours présentes. L'histoire doit exalter l'amour de la patrie, le service de l'État et de son chef.
Gloire à Clovis, un grand homme, un vrai chef, comme les Philippétains. Mon garçon, oui, toi, chante-nous, maréchal, nous voilà. C'est maréchal, nous voilà. Devons-nous être surpris? Destinée à être apprise par cœur, cette chanson, devenue l'hymne national, affirme la dimension messianique de notre chef, Philippétain. Nous jurons de servir et de suivre tes pas. Rien de tout ça dans votre école, la faille. Pétain, c'est la France. La France, c'est Pétain. C'est simple. J'attends vos explications, la faille. Quant à la question de la laïcité, désormais, grâce au maréchal et à Dieu, elle n'existe plus. La notion divine est la seule base possible. Avez-vous organisé les 90 minutes d'instruction religieuse? J'espère y trouver une place de choix, comme la volonté de servir, la communauté nationale, le loyalisme et surtout la famille. Oui, ben j'ai compris maintenant. Monsieur le recteur, justement, je vous ai fait parvenir une lettre dans laquelle j'ai fait valoir, en tant qu'ancien combattant, j'ai fait la Première Guerre mondiale, mes droits à la retraite par anticipation. J'ai tout de même 55 ans. Vous demandez votre mise à la retraite par anticipation? Oui, c'est exactement ça. Comment la refuser, un ennemi du régime? Ah, ma fille! Bonjour, papa. Tu sais, je suis vraiment fier de toi. Te voilà mariée maintenant. Et une dame, n'est-ce pas, Madame Menu? Et pharmacienne Arion, que le temps passe vite. Mais toi, comment vas-tu? Bien, papa. Je vois que tu t'occupes. Eh oui. Un vrai cultivateur. J'aime bien cultiver mon jardin, disait Candide. J'y trouve là une grande satisfaction, celle du devoir accompli. Et les beaux légumes qui en découlent sont le résultat de mes peines. Tu sais, je m'inquiète pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas raisonnable. Tu es enceinte de quelques mois et tu t'engages à la résistance. Toi-même, tout en travaillant dans ta pharmacie, tu ravitailles des gens en médicaments, tu camoufles et distribues des journaux clandestins, tu héberges des gens qu'il ne faut pas, et je devrais pas m'en inquiéter. Tout va bien, papa. Tout va bien, tout va bien. Max ou bénévole, je sais même plus comment l'appeler, moi, ton mari. C'est l'un des plus grands résistants d'Auvergne et je devrais pas m'inquiéter. À qui le dois-je? Pardon? Qui m'a inculqué ces valeurs républicaines et humanistes, si ce n'est toi? Qui a quitté ses fonctions d'instituteur parce qu'il avait la haine des Allemands et qu'il ne supportait plus ce gouvernement des traites de Vichy? Tu sais, j'ai peur pour toi, ma fille. Tu es jeune, toute la vie devant toi. Bientôt un bébé, tu prends trop de risques. Et tu veux que l'on parle de toi et de ta vie nocturne, de ce que tu fais pendant que les autres dorment? Des rencontres clandestines et les armes parachutées que tu récupères et que tu transportes à droite et à gauche, hein? Le message a été répété, c'est bien pour cette nuit. Le soir tombe, les hommes sortent de leur cachette, gagnent le terrain bien repéré que l'avion survolera tout à l'heure. Les feux s'allument, l'appareil ami arrive. On échange les signaux convenus. Et le premier parachute est lâché. C'est d'abord un messager venu de Londres qui prend contact un peu rudement avec la terre française. Puis d'autres parachutes s'ouvrent, des armes cette fois. Mission accomplie. L'avion est déjà reparti mystérieux comme il était venu. Une fois de plus, à travers le ciel, les audacieux pilotes de la Royal Air Force et de l'aviation américaine ont armé la résistance française. Je suis indigné de ce que l'on fait et par les libertés qui s'amoindrissent. Ils bâtissent une école politisée, totalitaire, au profit de la collaboration franco-allemande. Je suis scandalisé par la tornade de réformes ridicules. Par le fait que l'on pointe du doigt certaines catégories de population, comme les juifs. Je ne pouvais pas rester à mon poste et me regarder dans une glace. C'est comme si je cautionnais cette folie qui éteint toute lumière chez les individus. Ma race, ma terre, ma patrie, ce n'est pas pareil. Moi, ma vie est faite. Laissez-moi me battre pour vous autres, pour cet avenir meilleur dont on rêve tous. Non, à cette vision pessimiste qui pense que l'homme est un barbare qu'il faut dresser car il porte en lui la méchanceté. Ce nouvel ordre où la critique n'a plus raison d'être, où la vérité est définitivement acquise. Non. L'instituteur n'a pas pour vocation de dresser des enfants pour en faire des vieux soldats dociles et réduits à bord la propagande d'un vieux chef sénile. Moi, l'école dont je rêve, c'est celle de Jean Zay, celle de la République, qui vise à démocratiser l'enseignement en instaurant l'école unique. Mais surtout pas celle de Pétain, ségrégationniste et élitiste, qui fait bien attention à maintenir les hiérarchies en place. L'école de Pétain-Coup, c'est celle de toutes les inégalités, où le fils d'un ouvrier restera toute sa vie ouvrier. Sans espoir de servir la société.
qui dès 14 ans se mettront à la charrue. Tandis que les aisés, eux, iront se former au collège et au lycée, puis à l'université, pour devenir un cadre de la société. Comment aurais-je pu accepter de sélectionner les plus doués d'entre eux pour aller se former dans ces écoles-là, tandis que les autres, eux, iront se former aux tâches leur incombant? Mon école, ma fille, c'est celle de la République. Celle qui offre à tous les enfants, quelles que soient leurs origines sociales, la taille du portefeuille de leurs parents, des prestations éducatives identiques. Non, je te jure, Anna, je ne pouvais plus continuer. Te rends-tu compte? Ce régime du mal bafoue trop de valeurs républicaines qui sont les miennes. De liberté, d'égalité, de fraternité. Te rends-tu compte? Les écoles normales ont été supprimées. Le contenu des livres sont censurés au profit d'une active propagande. Travail, famille, patrie. Au profit de ce vieux chef sénile, Pétain, et de son culte, de sa personnalité et de ses sbires. Désormais, il ne faut pas trop instruire, car apprendre est dangereux. On simplifie au maximum les enseignements pour des rudiments de connaissances. Ah, la belle affaire, l'instruction serait dangereuse, pardi. L'instruction rend indépendant et cultivé. Et ça, Pétain, il n'en veut pas. Avec lui, les filles à la maison, chacun sa place. Et puis ces Allemands chez nous, c'est insupportable. Tu m'entends? Insupportable. Il faut agir. Nous battre pour une cause supérieure à notre propre destin. Il faut résister. Tu m'entends? Il faut résister. Que crois-tu que Max et moi faisons? Quel magnifique plaidoyer, père. Je suis fier d'avoir un père comme toi. Nous sommes d'accord. J'ai besoin de toi. Si tu as mon approbation, ma fille, tu ne peux m'empêcher d'avoir peur pour toi. Pour ce qui me concerne, laisse-moi vous aider encore davantage. Nous ne sommes pas les seuls à partager nos idées, tu sais. Un peu d'action me fera le plus grand bien. C'est décidé. Je vais rejoindre le maquis d'Auvergne. Parle-en à Max. Je ne suis pas d'accord. J'ai beaucoup trop vieux pour jouer les Boy Scouts. Trop vieux. On aura besoin de toi pour autre chose. Comme par exemple, mettre en relation les maquis et ceux de l'extérieur. Par mon métier, j'ai de nombreux contacts importants parmi mes collègues. Justement, c'est indéniablement un atout. Un imprimeur près de Lyon. Monsieur Martinet ? Bonjour. Bertil Brecht. Bonjour. Merci. Voilà. On doit informer l'opinion sur les données réelles de la situation. Lui ouvrir les yeux sur les enjeux vitaux. Et pour ça, il faut que nous puissions réaliser un véritable journal. Je sens que ton mari et toi n'avez pas fini de me supporter et de me voir faire des allers-retours sur Orion. Papa, je suis venue te dire que je m'en vais. Tu t'en vas? Oui, au maquis et loin d'ici. La situation est devenue trop dangereuse. La Gestapo nous cherche et je me suis séparée de la pharmacie. Et ta fille? J'ai pensé que maman pourrait s'en occuper. Cette fois, tu ne m'en empêcheras pas. Je pars avec toi. Ton mari est une tête brûlée au sang bouillant, prêt à toutes les audaces, à toutes les aventures. Il faut bien que quelqu'un me protège. Hé, hey, voisin! Cette fois, je pars avec Marinette. C'est la bonne. Et les poches, ils seront pas à la noce. Allez, Profin, on y va. Profin? Son nom d'un record d'ancienneté. Capitaine Profin des FFI. Capitaine? Moi, capitaine. À 57 ans. Je dois être le plus vieux capitaine qui existe au maquis, alors. Mais, alors, où est-ce qu'on va? Prendre part au grand combat qui va libérer la France. On a reçu l'ordre de rejoindre le Mont-Moucher, dans la Margeride, et de nous regrouper. La mobilisation générale a été décrétée. Mais pour y faire quoi? Un réduit a été organisé, d'autres aussi, à la Truyère, pour retarder l'avancée des troupes de la Wehrmacht, en vue du débarquement vers la Normandie. Les maquisards arrivent de partout, de Saint-Flour, de Clermont. On doit rejoindre Max au poste de commandement, dans une maison forestière, pour y organiser le service de santé. Le grand jour! Enfin! L'autre miracle, c'est que malgré les 20 polices et les troupes allemandes qui battent de leurs bottes nos villages, nos champs, nos chemins, les jeunes gens de France, chaque jour, montent vers le maquis, volontaires, toujours plus nombreux pour une vie toujours plus rude, par un, par deux, par trois, ils sont aujourd'hui des dizaines de milliers. L'Allemagne a ses camps de concentration, la France a ses camps de liberté. Alors, Profin, des nouvelles? Le chef du maquis d'Auvergne attend. On ne fait pas attendre le colonel Gaspard. Non, non, rien, toujours aucune réponse. Max, Max, ça y est, c'est le grand jour. Enfin, le débarquement des alliés. Le 6, ce sera le 6 juin. Ouais! Ainsi, tu es polonais? Oui. Tu me fais marcher. Nazywam się Karol Berenol. Jestem Polakiem i studentem medycyny. Urodziłem się w roku 1924 w Warszawie w Polsce. Przyjechałem do Francji i biorę udział w ruchu oporu. Pracuję z tobą w służbie zdrowia w Montmouchy i w Truyère, który jest prowadzony przez Maxa Menu. Hein? Et en français, ça donne quoi? Je suis Charles Berenolk, polonais et étudiant en médecine. Je suis né en 1924 à Varsovie, en Pologne. Je suis arrivé en France et participe à la résistance. Je travaille avec toi au service du Montmouchy et de la Truyère, qui est commandé par Max Menu. Ah, c'est plus clair maintenant. Ça
Ça fait chaud au cœur que la résistance touche tous les horizons et pays. Pas de frontières pour la liberté. À te, qui m'est-ce pardon, qui es-tu? Un marchand de science, comme on dit par chez moi. Un maître d'école. Un fameux chat noir de la République. Ouais, si on veut, mais... Néanmoins, elle paraît si loin, la République, maintenant. Je me surprends parfois à faire des rêves sur le lendemain, les jours heureux. Mais je vais pas t'embêter avec ça, et puis tu me prendrais pour un fou. C'est important de rêver. Moi, mon rêve, c'est de devenir un grand chirurgien dentiste. Allez, raconte. Ma marotte à moi, c'est la jeunesse. L'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. À la politique réactionnaire de Vichy, je répondrai par une démocratisation de l'école. Pour un monde meilleur, plus juste, il faut supprimer le caractère élitiste et bourgeois de l'enseignement. Il faut supprimer les barrières et les filières. L'enseignement primaire et secondaire ne doivent plus être deux filières parallèles et socialement marquées comme elles le sont. Le secondaire ne doit plus être payant et uniquement réservé aux meilleurs élèves du primaire. Tous les enfants doivent pouvoir suivre ces études, pouvoir aller au baccalauréat et à l'université. Il faut créer une école unique. Les élites doivent pouvoir se trouver dans toutes les couches de la société. Il faut révolutionner le système, porter l'obligation scolaire à 16 ans, rendre gratuit l'enseignement public. To jest piękny program, żeby odbudować Francję po zakończeniu wojny. Znajduję w tobie ten kraj, co tak bardzo kocham. Ten kraj oświecenia. C'est un très beau programme pour reconstruire la France une fois la guerre terminée. Je vois en toi ce pays que j'aime tant, celui des Lumières. L'enthousiasme ne devait pas durer longtemps. Dès le 2 juin 1944, l'un des plus grands maquis de France subissait un premier assaut d'un bataillon allemand. Puis, les 10 et 11 juin, 2200 soldats de la Wehrmacht livrés en ces lieux contre les maquisards des combats acharnés. Suite au combat du Mont Mouché, les maquisards se replièrent sur le réduit de la Truyère, où de violents combats eurent lieu à Antérieux et Chaudes-Aigues en particulier. Il y eut plusieurs dizaines de victimes parmi les FFI, mais aussi de nombreux blessés. Les Boches arrivent, les taux se resserrent sur nous. La bataille est perdue, il faut que vous partiez. Profin, votre mission, à Marinette et vous, consistera à réorganiser l'infirmerie hôpital dans la maison Berbigier, au réduit de la Truyère, à Morine. Il faut décrocher et rejoindre la Lozère. Tenter le tout pour le tout pour sauver les 63 blessés. Suivre la voie des Boisés et encaisser de la Truyère. Deux colonnes de volontaires se formèrent pour tenter de les évacuer. L'évacuation fut compliquée du fait de l'impossibilité d'utiliser des véhicules, les routes étant coupées. Dans la nuit du 20 au 21 juin, les blessés, sur des brancards de fortune pour les plus gravement atteints, prirent les chemins de montagne puis franchirent le baie. Si le premier convoi, rassemblant une soixantaine de blessés, conduit par Charles Bérénoc, put par chance passer la rivière à temps, traverser la Nationale 9 et parvenir dans la nuit à Albaret-Sainte-Marie, ce ne fut pas le cas pour le deuxième convoi de chars à bœufs de Paul Reiss, Georges Canguilhem, Fernand Lafaille, Marinette Menu, chargés de l'évacuation à dos d'homme, puis en chars à bœufs des blessés du secteur encerclé de la Truyère. Ce deuxième convoi, accueillant les 8 hommes les plus grièvement atteints, devait s'arrêter tous les kilomètres pour les laisser se reposer de secousses intolérables. Et puis, le 22 juin 1944, vers 15h, au niveau du pont d'Estrémiac, sur la commune de Saint-Just, dans le Cantal, le convoi fut intercepté par une patrouille allemande, forte de 100 à 150 hommes, venant de Saint-Chély-d'Apcher. D'écoliers sur mon pupitre et les arbres. Sur le sable de neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches. Pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Valence, liberté, liberté.